Salut les balances, donc on va voir ce qu'on a pour vous pour la semaine du 29 au 5. Donc j'espère que vous avez lu le petit mot qui vous explique comment fonctionnent les séances. Et n'oubliez pas que tout ce dont vous avez besoin au niveau ésotérique ainsi que les rendez-vous tarot, tout est dans la description, vous cliquez sur plus, ok? Soit pour les rendez-vous, soit pour tout ce qui est bougie, encens, poudre, tout est sous la vidéo, ok? N'oubliez pas de faire vos choix de façon judicieuse. Qu'est-ce qu'on a pour les balances pour la semaine du 29 au 5? On a pour les balances. Ok. Alors. Quiétude exubérante. Très bien. Pas quiétude. Quiétude exubérante. Pardon. Ok, un instant, je garde juste mon micro. Ok. C'est bon. Ok, qu'est-ce qu'on a pour les balances? Non, il y en a beaucoup trop d'un seul coup. Ok. Donc on a Elémia Bélier, la carte numéro 4. Connaissance des forces intérieures et à l'envers, ces confusions obstacles à la réalisation d'un projet, à la destruction. Ok. C'est un peu contradictoire, hein. Quiétude exubérante et confusion obstacle à la réalisation d'un projet et la destruction. Peut-être parce que justement vous devez être comme ça dans cette énergie concernant une situation où vous avez du mal à réaliser vos projets, être dans une certaine quiétude et de façon exubérante. Donc vous avez peut-être besoin de démontrer aux gens que ça vous fait rien, que rien ne vous fait rien. On va voir. Déjà avant, on va chercher la nature profonde de quiétude. Pour être sûr. Ouais, non, c'est calme profonde, c'est bien ça, ou calme paisible. Bon, moi je disais calme profond, mais bon, calme paisible, c'est... Un calme paisible, c'est quelque chose quand même de profond. C'est calme et c'est paisible, donc c'est un calme qui est intense. Vous avez besoin d'être calme et tranquille face à une situation où les choses n'évoluent pas. C'est peut-être un test, on va voir. Hop, on va mettre le micro là. Ok, donc là, je suis la situation. Et excusez-moi aussi, j'ai oublié de vous le dire, c'est que je suis un peu malade, donc vous risquez de m'entendre tousser un peu, éternuer, tout ça. Qu'est-ce qu'on a pour la semaine? Pour les balances. Oups. On a la reine de coupe sur le côté. Le 10 de denier, ça a peut-être un rapport avec votre enfant, l'étoile, un enfant qui est du signe du Verseau peut-être. C'est bien. Celle-ci est tombée avant. On a eu le 4 de bâton, je retiens. Et l'as des épées. Donc on a l'étoile, l'as des épées, le 10 de denier, le 10 d'épée et le diable. Ok.
Pourquoi c'est difficile d'atteindre un objectif? Pourquoi vous êtes confus? Pourquoi c'est difficile? Sinon, c'est quelqu'un qui... C'est inversement, n'oubliez pas. Le valet de coupe et le 6 de coupe. Soit c'est un rapport avec une personne que vous connaissez depuis un certain temps, soit c'est un rapport avec votre fa avec un de vos enfants, et c'est votre enfant qui a du mal à réaliser certains objectifs. La reine de coupe. C'est quoi la reine de coupe? Oh, l'as de denier. Oups. On a l'as de denier à l'envers, le 10 d'épée, la lune et le 8 d'épée. La reine de coupe, ça peut être vous ou inversement, quelqu'un qui est scorpion, cancer, poisson, mais en tout cas une figure maternelle ou quelqu'un d'assez tendre qui n'a pas pu prendre ou saisir une opportunité financière, une opportunité qui lui apportait beaucoup. On a l'énergie de trahison, l'énergie de secret, l'énergie d'une personne qui ne fait rien, qui n'avance pas. Ça peut être une personne qui vous fait quelque chose pour que vous ne voyez rien, puisque... Ça peut parler de si vous avez un objectif que vous n'arrivez pas à atteindre ou si un de vos enfants n'arrive pas à atteindre certains objectifs, c'est que vous avez peut-être une personne qui fait des rituels lunaires pour vous empêcher d'avancer, vous empêcher de bouger, vous empêcher d'avoir confiance en vous. Je suis pas trop fan. Ça peut être quelqu'un qui est du signe du cancer. Valet de bâton. Le 8 d'épée, c'est le valet de bâton. Mais vous devez foncer même si c'est difficile. Vous ne voyez pas que vous ne pouvez pas... Dans le passé, vous n'avez pas réussi à avoir une opportunité parce que vous n'avez pas foncé, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait pour pouvoir y arriver. Donc vous avez perdu une opportunité. Ou sinon, c'est votre enfant qui a perdu une opportunité parce que c'est un enfant qui n'a pas su saisir le moment, le bon moment et ça fait en sorte que la situation est restée bloquée. Sinon, on a l'énergie d'une mère qui peut être d'un signe d'eau, peut-être. Ça peut être une mère qui fait en sorte que son enfant n'arrive pas à faire quelque chose, ne s'en sorte pas. Le 10 d'épée et le 8 d'épée avec la lune au milieu, je suis pas trop fan. Ça veut parler d'une figure maternelle qui fait en sorte de que son enfant perde des opportunités en lui faisant perdre confiance en lui ou en elle et le fait qu'on ait la carte de Everything is fine, là c'est le 10 d'épée, mais on a Everything is fine, donc tout va bien. Vous ne savez pas que c'est votre mère qui vous fait ça, ou sinon vous faites ça à votre enfant et votre enfant ne le sait pas. Mais il y a l'énergie d'une mère qui bloque son enfant. Qui bloque son enfant pour que son enfant n'ait pas d'opportunité financière ou de stabilité. Donc du coup, les difficultés de réaliser un projet. Et on a le valet de coupe et le 6 de coupe, donc c'est très possible que vous ayez, que ce soit vous ou inversement, vous avez une mère qui vous bloque, qui fait en sorte que peu importe ce que vous souhaitez réaliser, ça marche pas. C'est une personne qui fait ça soit au niveau des... Soit c'est cyclique, soit c'est une personne qui fait ça, ouais, ce sont des rituels lunaires. Le 10 de denier, ça parle de la famille. Excusez-moi. Le 10 de denier, c'est quoi? Mais ça peut parler aussi de finances. Ouais. J'ai plutôt l'impression que ça part d'une personne qui fait partie de votre famille, plus particulièrement une figure maternelle, qui fait en sorte que vous ayez du mal à avoir une certaine abondance financière, une certaine stabilité ou une certaine indépendance. C'est quelqu'un de votre famille qui fait ça. Après, ça peut être n'importe quel signe. On a les signes d'eau, les signes de terre, mais ça peut être n'importe quel signe. Mais c'est vous avez certains d'entre vous, vous avez une mère qui fait en sorte de bloquer les opportunités, de faire en sorte que les choses soient difficiles pour vous, pour que vous puissiez atteindre cette indépendance, cette stabilité financière, la paix, la sérénité. L'étoile. Le 9 de denier, l'indépendance. La tour. L'étoile, c'est vous qui devez garder espoir et continuer à travailler. Le 9 de denier, signe de terre, ça parle de personnes qui travaillent sans relâche pour atteindre leurs objectifs. Vous devez garder l'espoir et la foi face à une situation qui est délicate. Et il y en a certains, vous devez confronter votre mère ou la personne qui vous bloque votre indépendance parce que vous savez au fond de vous qui c'est. Le 5 d'épée.
confrontés. La tour, c'est la fin d'une situation qui... Il y en a, vous savez très bien qui bloque votre évolution, vous avez votre intuition qui vous dit ce qui se passe. Ça peut être quelqu'un qui est bélier, scorpion, mais... Il va falloir confronter cette personne ou sinon garder la foi par rapport à une situation qui fait que vous avez peut-être travaillé beaucoup de façon indépendante et ça ne fonctionne pas. Et si ça ne fonctionne pas, c'est parce que vous avez une figure maternelle qui fait en sorte de bloquer vos opportunités. Donc que ça soit au niveau de la sorcellerie, j'ai pas l'impression que ça soit uniquement ça. J'ai plutôt l'impression que c'est peut-être une mère qui a le bras long et qui, par exemple, va dire quelque chose comme, je sais pas moi... Vous imaginez même pas le genre de... Il y a des mères qui font ça, qui connaissent par exemple une personne qui pourrait vous offrir une opportunité, mais ce sont des mères qui vont dire des choses sur vous. Pas de façon à ce qu'on puisse dire « votre mère m'a dit ça », mais que la personne puisse se dire « ok, la mère d'un tel m'a dit ça », ça veut dire que c'est pas forcément quelqu'un de fiable, donc je vais donner l'opportunité à quelqu'un d'autre. Donc du coup, c'est pas quelqu'un qui va venir vous dire « je vais pas vous donner cette opportunité parce que votre mère m'a dit telle ou telle chose ». C'est plutôt une personne qui va analyser ce que votre mère aura dit à cette personne et qui se dira « ok, c'est peut-être un fils à maman » ou « ok ». En fonction de ce que sa mère me dit, en fonction de ce que je vois, c'est peut-être pas forcément une bonne chose que j'aille offrir une opportunité à quelqu'un. Vous perdez à cause d'une personne qui est une figure maternelle, une mère, qui vous fait perdre beaucoup. Le diable, par contre, ce qui est bien, c'est que vous avez le diable, donc une énergie karmique qui vous est retirée. C'est pour ça qu'on vous demande de continuer à avoir la foi et à avancer, malgré le fait que vous ne voyez pas le bout du tunnel. Le jugement et le 2 de bâton, ouais. Le diable, ça parle de vous si vous êtes dans une situation karmique, un contrat négatif ou autre. Ça parle de vous qui êtes jugé ou de la personne qui vous crée des difficultés, qui est jugée sans attente, d'accord. Mais vous êtes normalement délivré d'un contrat karmique ou d'une personne qui est karmique. Ou on attend de voir si vous validez la leçon. On attend de voir quelle sera votre réaction quand vous saurez qui est qui. Clarifie le 2 de bâton. C'est quelqu'un de votre famille, ça. Et on attend de voir comment vous allez réagir face à cette personne. Est-ce que vous allez continuer à laisser cette personne avoir un passe-droit ou est-ce que vous allez confronter cette personne et lui dire ses quatre vérités ou être indépendant et faire ce que vous avez à faire sans rien dire à cette personne. Le 2 de bâton et le jugement par rapport au diable. Le 3 de coupe et l'as de bâton. Vous devez continuer à aller de l'avant pour pouvoir créer vos... Vous ouvrez une autre porte ou au pire, si personne ne vous donne une opportunité, vous créez votre opportunité vous-même. N'attendez pas sur quelqu'un d'autre. On attend de voir comment vous allez réagir face à cette situation qui est karmique ou une leçon que vous devez valider. Et ça vous demande d'être indépendant. La tour, ça peut être quelque chose de positif dans le sens où vous dites, c'est quoi, j'en ai rien à faire, j'ai perdu cette opportunité, je garde l'espoir, je travaille dur, puisque c'est le 9 de denier, donc le 9 de denier, c'est le dur labeur pour pouvoir récolter le fruit de son travail. Et la tour, ça peut être quelque chose de positif dans le sens où ça va créer le... On va dire, ça va tout secouer, mais ça sera positif pour vous. Pourquoi ? Parce qu'en gros, vous n'allez plus dépendre de quelque chose qui est instable ou faux. Vous allez montrer à ces personnes, ou à cette personne, c'est votre figure maternelle, votre mère... Que ok, tu me crées des problèmes, tu m'empêches d'avoir des opportunités, je vais y arriver tout seul. Et ça pourra créer un choc dans le sens où ok, je vais... Vous devez vous peut-être pour certains créer vos propres opportunités et arrêter d'attendre sur maman, papa ou sur une figure maternelle qui vous bloque, qui vous empêche d'avoir une certaine indépendance financière ou une certaine opportunité qui aurait pu venir vers vous. C'est dégueulasse quand même. Et on a le 10 d'épée là. Hein. Vous allez finir par voir qui est cette personne. Parce que là c'est everything is fine, c'est-à-dire qu'il y en a certains, vous savez que ça vous fait mal mais vous ne savez pas qui c'est. Et là, c'est là que la vérité soit. Le 10 d'épée. Le pendu, le 3 de bâton, le hiérophant et le monde. Ça vous demande de prendre les choses en main. D'être calme. Parce que le pendu et le 3 de bâton, c'est je suis calme, j'attends. Le hiérophant, je prends les choses en main pour pouvoir me créer un nouveau cycle. C'est quelque chose qui va vous blesser, mais vous devez être calme et prendre les bonnes décisions. Prendre les bonnes décisions. Tout est une question de décision. Et on vous a demandé de rester calme, très calme. On vous a demandé la quiétude exubérante. C'est-à-dire qu'en gros, si vous avez une mère mauvaise comme ça, qui s'attend à ce que vous soyez désespéré, il faut que vous soyez calme et que vous ne montriez pas à votre mère à quel point vous êtes désespéré. Soyez calme, créez vos opportunités de façon indépendante et ça va créer la tour, un choc, un nouveau cycle. Prenez les choses en main avec le hiérophant. Ça peut parler aussi de vous qui devez prier intensément aussi. La star, l'étoile et le hiérophant qui parlent de religion, de foi, d'être ancré.
Surtout que ça, là, ça veut parler de vous qui découvrez ce qui s'est passé et vous ne devez pas péter un plomb. Restez calme et ouvrez-vous de nouvelles portes. Ne restez pas bloqué face à... J'arrive pas à croire que c'est toi, donc une figure maternelle ou quelqu'un de votre famille qui m'empêche d'avoir cette opportunité. L'as des épées? Le roi de denier? De bâton. Ouais. Et n'ayez pas peur de faire un retour à l'envoyeur aussi. L'as des épées, c'est vous qui aurez votre victoire de toute façon. Soit vous avez fait un retour à l'envoyeur et donc du coup la personne qui vous a bloqué, c'est elle qui finit par récupérer tout ce qu'elle vous a fait. Soit vous devez continuer à avancer malgré les difficultés, vous ouvrez des opportunités. N'hésitez pas à faire un retour à l'envoyeur pour pouvoir débloquer votre stabilité financière. Taureau. Mais j'ai pas l'impression que ça parle uniquement du signe du taureau. Je pense que ça parle d'ancrage et de stabilité financière de vous qui devez être calme, être ancré, être indépendant. Parce que taureau, les signes de terre sont des signes très indépendants quand ils sont dans leur bon côté. Et bien sûr, tout dépend des personnes, n'est-ce pas? Parce que vous avez des personnes qui sont fainéantes comme pas possible. Ça parle de vous qui devez être indépendant. Donc, être indépendant, ça veut dire beaucoup de boulot. Ne pas se laisser désabuser, ne pas avoir peur de. D'avancer malgré les difficultés pour avoir une certaine victoire, mais il y en a certains, surtout si vous avez une mère, vous savez qu'elle est dans le monde spirituel, n'hésitez pas à faire un retour à l'envoyeur. N'hésitez pas à faire un retour à l'envoyeur. Un retour à l'envoyeur, c'est pas quelque chose qui fait mal, c'est justement simplement l'énergie d'un boomerang. On vous envoie de la sorcellerie, vous faites un retour à l'envoyeur avec votre bougie, etc. Et tout ce qu'on vous envoie, vous le retournez de là où ça vient. Donc vous ne faites pas de mal, puisque en gros, ce que vous faites, c'est renvoyer l'énergie que vous avez envoyée vers la personne, c'est renvoyer la balle en fait. Il y en a, va falloir faire un retour à l'envoyeur. Il y en a d'autres, vous l'avez fait et vous avez réussi à avoir une certaine stabilité financière, une certaine victoire face à une personne qui vous a trahi. Avec le diable et le jugement, il y en a, vous avez déjà pris cette décision. Ça vous a pris un certain temps, mais vous avez pris la décision de faire quelque chose qui fait que vous êtes détaché d'une énergie karmique. Le diable, quelqu'un qui peut être Capricorne, mais simplement un lien qui est karmique, qui est mauvais, un contrat qui est mauvais. Si vous ne l'avez pas fait, si vous ne vous êtes pas débarrassé d'un contrat qui est mauvais ou d'une personne qui vous savez fait de la magie noire et de la sorcellerie, vous faites un retour à l'envoyeur, vous passez votre huile de protection, etc. pour être protégé, faire en sorte que cette personne comprenne que c'est pas la peine de jouer avec vous parce que vous savez très bien ce qui se passe. Et c'est une personne qui va finir par le comprendre parce qu'elle va se rendre compte que tout ce qu'elle vous a fait, tout ce qu'elle vous a envoyé, bizarrement ça ne vous atteint pas mais ça l'atteint elle. Donc c'est une personne qui va finir par comprendre que mince. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, soit parce que vous êtes protégé, soit parce que vous avez fait un retour à l'envoyeur. C'est pas une personne qui saura que vous avez fait un retour à l'envoyeur. C'est une personne qui sera obligée de laisser tomber, surtout si c'est une personne qui a fait un gros rituel. Pourquoi? Parce que là, vous imaginez si tout ce que vous faites, c'est créer de la sorcellerie, de la magie noire pour faire en sorte que quelqu'un soit pauvre et que vous vous rendez compte que d'un seul coup, vous perdez tout votre argent et que tout y a un tas de factures qui vient vers vous. C'est une personne qui sera tellement en panique qu'elle n'aura plus la possibilité de faire quoi que ce soit et qui finira par comprendre à la fin, mince, en fait tout ce que j'ai souhaité pour telle ou telle personne, ça m'arrive à moi. Et si c'est votre mère, c'est encore plus intense parce que une mère qui fait ça à son enfant, c'est une mère qui se met le bâton, une épine dans le pied toute seule. On fait pas de mal à ses enfants, on fait pas de mal à un enfant. On fait de mal à personne en général, mais une mère qui fait ça à son enfant, punaise. Il faut vraiment être au plus bas pour pouvoir simplement faire de la sorcellerie ou bloquer les opportunités pour son enfant. Mais vous avez des mères qui sont comme ça. Si elles ne font pas de la sorcellerie, ce sont des personnes qui ont la langue sale, qui sauront, on va dire, un peu comme l'énergie de l'impératrice à l'envers. Fais-moi un truc. Une personne qui fait ça dans le secret. L'impératrice à l'envers, c'est le genre de personne qui va vous faire des coups de PUTE, mais avec le sourire. Qu'on n'aura même pas l'impression que c'est cette personne. Tellement ça sera fait de façon hypocrite et subtile. Vous n'aurez même pas l'impression que c'est elle. Ouais, regardez ça. On a le 4 de denier et le 5 de denier autour de l'impératrice. Une figure maternelle qui bloque vos finances et qui vous empêche d'évoluer. Qui fait en sorte que vous soyez dans les difficultés financières et qui bloque vos finances. Soit parce que c'est une mère qui veut pas que vous ayez. Si on parle d'une relation, c'est une mère qui ne veut pas que vous ayez une relation avec quelqu'un parce que c'est une mère jalouse. Si on parle pas de relation et qu'on parle de situation financière, c'est une mère qui vous bloque financièrement pour une raison quelconque. Quelque chose qui fait qu'elle ne veut pas que vous évoluiez, qu'elle ne veut pas que vous ayez une certaine stabilité financière. Qu'elle bloque tout en fait. Donc, vous avez des mères comme ça qui sont vraiment dégueulasses.
On se demande comment c'est possible d'avoir des personnes qui ont la possibilité d'être des mamans et qui font du mal à leurs enfants comme ça, simplement par jalousie ou... Et on a Bélier à l'envers, là. Par jalousie ou simplement parce qu'elles s'accrochent à leurs enfants comme pas possible, comme des sortes de tumeurs. Donc on a Poissons et Neptune, donc beaucoup d'illusions, beaucoup de choses que vous ne voyez pas clairement, beaucoup de choses que vous croyez qui ne sont pas réelles, parce que Neptune, c'est aussi la planète de ce que l'on veut croire et pas forcément ce qui est réel. Ça parle aussi de devoir mettre fin à une situation, puisque Poissons, c'est la maison de la fin, un signe d'eau, donc la fin d'un cycle. Poissons en Neptune, Neptune en Poissons pour les balances. Le 8 de denier, ouais. Le 8 de denier et le 6 d'épée. Laissez les choses derrière vous et travaillez de façon indépendante. Travaillez, le 8 de denier, c'est travailler de façon indépendante et travailler dur. Échouer, recommencer, mais aller vers quelque chose de plus calme. Et on vous a dit que vous devez être dans cette énergie de quiétude exubérante. Soyez calme face aux difficultés, face aux choses que vous allez découvrir. Peut-être même que Poissons en Neptune, c'est vous qui devez créer l'illusion et ne pas montrer que vous savez certaines choses. Surtout si vous savez, par exemple, vous avez, comme j'ai dit, vous avez une mère ou une figure maternelle qui... Vous savez que cette figure maternelle vous a fait quelque chose. Pourquoi ? Parce que vous avez peut-être fait un retour à l'envoyeur, vous voyez que... Votre mère ou la figure maternelle reçoit une énergie qui est négative et vous dites punaise, ça y est, ça a fonctionné. Parce que vous allez le savoir. Hein. Vous allez savoir si vous avez fait un retour à l'envoyeur concernant une personne et que cette personne récupère ce qu'elle vous a envoyé, puisque c'est une personne qui sera dans la détresse, bien sûr, à part si elle se cache. Ce que la plupart des gens font quand ils finissent par avoir un retour à l'envoyeur, c'est se cacher jusqu'à ce que ça passe. Mais bon, tout dépend de l'ampleur du rituel. Vous devez continuer à travailler malgré les échecs et vous éloigner de cette personne. Et surtout, de la fermer, ne racontez pas aux gens ce que vous faites. Poissons en Neptune, c'est aussi créer l'illusion et ne pas raconter aux gens ce que vous souhaitez faire ou vos projets. Ne racontez pas aux gens ce que vous voulez faire. Vous ne savez pas qui sont vos amis, qui sont vos ennemis. Et quand bien même vous aurez des amis, vous seriez étonné de voir à quel point les amis finissent par être jaloux, simplement parce que vous avancez plus vite qu'eux. La fermer, c'est la meilleure des choses. Jusqu'à ce que vous ayez atteint l'objectif et que ces gens-là s'en rendent compte par leurs propres yeux et finissent par vous poser des questions. Et quand ces gens vous poseront des questions, vous verrez en fonction des questions que ces gens-là vous posent, qui est pour votre bien et qui ne l'est pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes qui vont finir par vous poser des questions qui ne les regardent pas, en gros. Et vous avez des personnes qui vont vous poser des questions simplement pour savoir, voilà. Vous allez sentir les personnes qui vous posent des questions de façon... Parce qu'elles sont contentes pour vous. Et les gens qui vous posent des questions afin de savoir comment vous avez fait pour arriver à faire ça. Il y a une différence. Même si vous avez des amis, ne racontez pas à vos amis ce que vous faites. Ça reste entre vous et Dieu. Donc on a... Offrande ultime. Puis-je me libérer des craintes, des illusions et des addictions qui m'empêchent de m'abandonner complètement. Je souhaite me détendre et me fier à ton plan, certain que les prochaines étapes me seront toujours indiquées. Utilise-moi, amour, pardon, pour ce qu'il y a de plus grand. Je suis à toi et à toi seul. Ça parle de vous qui devez avoir la foi. Plonger un peu comme le fou et vous dire l'univers va me rattraper. Ça ne veut pas forcément dire plonger comme quelqu'un de stupide et ne pas faire en sorte de voir s'il y a un filet. C'est simplement vous assurer que tout ira bien, de mettre un filet en dessous, mais de montrer à l'univers que vous avez confiance, d'accord ? Parce que faut pas être stupide non plus. Mais montrer à l'univers et à Dieu que vous lui faites confiance. Et il y a des gens qui vont dire mais comment ça se fait ? Vous dites qu'on devrait avoir confiance à l'univers et qu'on devrait sauter. L'univers, à la base, vous êtes censé faire confiance à Dieu, à l'univers, mais vous n'êtes pas censé être stupide. Parce que vous ne savez pas quelle énergie joue avec vous. Il ne faut pas oublier que vous avez des énergies négatives autour de vous qui ne souhaitent simplement que vous voir échouer. Donc du coup, ça pourra, avec l'énergie de Poissons en Neptune, ça peut être, vous pouvez être dans une situation où vous ne voyez pas les choses clairement. Et quand vous pensez que c'est Dieu, c'est le diable. Et quand vous pensez que c'est le diable, c'est Dieu. Donc priez, demandez à Dieu de vous éclairer, à vous montrer les choses clairement, mais mettez quand même un filet parce que dans le monde dans lequel on vit, rien n'est réellement ce que l'on voit, malheureusement. Libère-toi de l'opinion d'autrui. N'aie plus peur de déplaire. Ne vis pas dans le regard d'autrui, vis pour toi. Tant pis si les autres ne te comprennent pas ou te jugent fou, ça n'a pas d'importance. Poursuis ton chemin seulement concentré sur le sens que tu veux donner à ta vie, à tes actes. Un jour prochain, tu verras qu'ils changeront d'avis et se mettront à adorer ce que tu fais. Pour l'heure, va ton chemin en ne cessant pas de croire en ton étoile. Et on a eu l'étoile et je vous ai demandé d'avoir la foi et de travailler de façon indépendante. Car nous la voyons qui brille pour toi. Ouais, ça parle de vous qui devez continuer à avancer malgré les échecs, avoir la foi, rester calme, prier
Et continuer à avancer. Le 8 de denier, c'est quelqu'un qui échoue et qui recommence quand même 8 fois. Vous imaginez tailler un denier pendant 8 fois comme ça? C'est difficile, mais on recommence, on a la foi. Et soyez calme, ne vous énervez pas face aux personnes qui vous trahissent. Et c'est difficile aussi, je peux comprendre si c'est votre mère, mais à cette mère, vous ne devriez même pas lui montrer, ne lui montrez rien du tout. Une mère comme ça, c'est pas quelqu'un à qui vous devriez montrer quoi que ce soit. Aucune émotion, vous ne devriez même pas avoir d'émotion pour cette personne. Parce que c'est votre mère et c'est une personne qui vous empêche d'évoluer, qui vous empêche d'avoir des opportunités. Donc à vous de voir, après, ça peut être vous inversement, mais en gros, vous continuez à avancer, vous continuez à travailler sur vos objectifs et tout ira bien. Ayez confiance en l'univers, mais ne soyez pas stupide. Faites les choses de façon judicieuse et ne soyez pas déçus de voir comment l'être humain, même si c'est votre mère, peut être cruel, mauvais et jaloux. D'accord ? C'est la vie, c'est comme ça. On ne choisit pas ses parents. Ok ? Les balances, c'est ce que j'ai pour vous pour la semaine du 29 au 5. Je vous souhaite beaucoup de courage. Faites vos choix de façon judicieuse. Continuez à aller de l'avant, d'accord ? Tout ira bien. Mais continuez à avancer et ne vous énervez pas. Ok ? Tout ira tip top. Ok ? Je dis à la semaine prochaine et bye bye. Salut. N'oubliez pas que vous pouvez vous procurer tout ce dont vous avez besoin au niveau ésotérique sur le site internet lejardincélestedenix.com. Donc je vais vous présenter quelques produits qui sont les produits phares de la boutique. Il y en a d'autres, mais je vous montre les produits phares. Vous avez en premier, par exemple, la bougie de retour à l'envoyeur qui vous est livrée avec sa notice d'utilisation afin de savoir comment effectuer le rituel. Vous avez aussi la bougie bonheur orange et bleu à brûler une fois par jour pendant une heure. Le vinaigre des quatre voleurs ainsi que l'huile vent-vent qui servent à purifier et à nettoyer votre maison, vos objets, vos talismans, vos amulettes. Vous pouvez très bien les utiliser dans votre eau pour nettoyer le sol de votre maison ou dans vos produits pour pouvoir nettoyer votre maison. La poudre de bannissement à semer partout où vous souhaitez être protégé et bannir les choses et les entités négatives. L'huile de protection qui n'est pas une huile cosmétique mais une huile spirituelle à appliquer sur vous au niveau des manches, cols et chaussures. C'est un roll-on pour créer en fait un voile de protection autour de vous partout où vous allez, sur tous les chemins que vous empruntez. Vous avez aussi l'huile de retour à l'envoyeur, donc c'est une huile d'onction à utiliser avec la bougie de retour à l'envoyeur pour renforcer le rituel. L'huile spirituelle argent et abondance à utiliser dans vos gris-gris, dans vos portefeuilles pour pouvoir garder l'argent et attirer l'argent de façon positive et créer une certaine sécurité financière. Vous avez la bougie pour la paix qui a été créée avec l'énergie de l'archange Saint-Michel à brûler une heure par jour pour pouvoir apporter le calme, la protection de l'archange Saint-Michel, la paix aussi dans votre environnement, que ce soit au travail ou à la maison. Donc si vous pouvez brûler cette bougie au travail, tant mieux. Vous avez aussi l'encens intense purification qui sert à chasser les entités négatives, les démons et toutes les énergies négatives. Donc cet encens est à brûler sur du charbon ardent, ainsi que le sel exorcisé, à mettre à chaque recoin de votre maison, au niveau de vos fenêtres, de l'entrée pour pouvoir bloquer les personnes, les énergies, les entités négatives. Et vous avez aussi les derniers bébés de la boutique qui sont les bougies neuvaines, protection et amour et romance. Et vous avez tout autre produit comme le parchemin pour vos pétitions, justement avec ces bougies si vous le souhaitez. Et donc je vous laisse regarder sur le site internet ce qui vous intéresse, ainsi que pour tous vos rendez-vous au niveau du tarot, au niveau de votre thème astral, ce genre de choses. Et si vous avez besoin de moi, vous pouvez me retrouver au studio, vous pouvez m'envoyer un mail auquel je répondrai assez rapidement. Ok ? Allez, bonne journée, au revoir.